Bonjour. Dernier volet de l'anatomie de la main. Après avoir vu les os, les muscles, les nerfs, les vaisseaux, nous allons récapituler par l'anatomie topographique de la main en voyant ses régions. Ces régions, eh bien, on distingue une région palmaire et une région dorsale. Jusque-là, tout va bien. Lorsqu'on soulève la peau de la région palmaire de la main, eh bien, on tombe sur une aponévrose. Et cette aponévrose, on la distingue en une aponévrose ténarienne, externe, latérale, une aponévrose hypoténarienne, médiale, interne, et une aponévrose palmaire moyenne entre l'aponévrose externe et l'aponévrose interne. C'est l'aponévrose palmaire moyenne. Cette aponévrose concernée par la maladie du Butrin, comme vous le savez, se divise en quatre bandelettes prétendineuses qui vont vers les doigts, leur face palmaire, et qui sont unies en particulier par un ligament transverse au niveau des articulations métacarpophalangiennes et par un ligament palmant au niveau des commissures digitales. Vous voyez sur ce magnifique dessin de Netter le rameau cutané palmaire du médian qui naît 5 ou 6 cm au-dessus du pli du poignet à l'avant-bras qui suit la direction sous-cutanée entre les tendons du fléchisseur radial du carpe et le tendon du long palmaire et s'arborise sur cette aponévrose palmaire moyenne sous la peau, celui qu'il ne faut pas couper lorsque vous faites des incisions pour les canaux carpiens. Très bien, cette aponévrose palmaire moyenne, donc, eh bien, elle recouvre sous la peau, elle recouvre les divers plans de la main et elle émet par sa face profonde des cloisons qui rangent tout ça en ordre, en profondeur. Et ces cloisons permettent de distinguer trois loges principales. Une loge hypoténarienne, une loge moyenne et une loge ténarienne. Commençons par la loge palmaire moyenne. Donc cette loge palmaire moyenne en plein milieu de la main, que comprend-elle? Elle comprend divers plans superposés. Le plus superficiel sous cette aponévrose palmaire moyenne est l'arcade palmaire superficielle avec les nerfs digitaux. Vous avez vu, vous vous souvenez des vaisseaux et des nerfs. Cette arcade palmaire, où, à quel niveau se situe-t-elle? Eh bien, il suffit, comme Kaplan l'a montré dans les années 40 ou 50, il suffit d'écarter le pouce au maximum et lorsque vous menez une droite horizontale passant par la pulpe du pouce, eh bien, cette droite horizontale en pointillé rouge, sur ce dessin, elle indique le niveau à peu près de l'arcade palmaire superficielle. Donc, cette arcade palmaire étant repérée au niveau de la paume, eh bien, elle contient évidemment les artères digitales qui vont envoyer des artères digitales, vous vous en souvenez, et elle contient aussi les branches terminales du nerf médian et du nerf ulnaire, je n'y reviens pas. Sous cette arcade palmaire et ses nerfs digitaux se trouve le plan du fléchisseur, des fléchisseurs superficiels et des fléchisseurs profonds avec les systèmes des muscles lombricaux, je n'y reviens pas non plus. Ce système des fléchisseurs, vous vous souvenez qu'il est encadré, il est entouré plutôt par des gaines synoviales et c'est le siège des phlegmons possibles de ces gaines à ce niveau-là. Sous la loge palmaire moyenne, eh bien une aponévrose profonde qui sépare ce plan superficiel d'un plan profond. Et pourquoi j'insiste? Parce qu'il est possible d'avoir des phlegmons, des gaines bien sûr, dans le plan tendineux, mais il est possible aussi d'avoir des phlegmons profonds sous cette aponévrose profonde. Et cette aponévrose profonde, eh bien, elle est cloisonnée par un septum qui s'insère sur le troisième métacarpien, et qui divise cet espace profond rétro-tendineux en un espace interne médial et un espace externe latéral. Donc cet endroit est susceptible lui aussi d'avoir des phlegmons et des infections et il communique largement par les canaux lombricaux avec les espaces cellules des doigts et il communique aussi au niveau des commissures avec la face dorsale des doigts. Sous cette aponévrose, eh bien, une loge profonde et la loge profonde contient respectivement, enfin plus exactement successivement, elle contient les muscles interosseux, les plus superficiels puisqu'ils s'insèrent à la face palmaire de la moitié du métacarpien, ce sont les interosseux palmaires. Puis ce sont les interosseux dorsaux, je ne reviens pas sur l'anatomie relativement complexe de ces insertions proximales des interosseux.
puis les branches profondes de l'artère ulnaire, accompagnées de la branche profonde du nerf ulnaire. Cette artère ulnaire, cette branche profonde, eh bien, elle constitue l'arcade palmaire profonde dont vous vous souvenez, et le nerf ulnaire, vous vous souvenez également que cette branche profonde va innerver tous les muscles de la main, hypoténariens interosseux, troisième et quatrième lombricaux, et les muscles ténariens internes, les deux premiers lombricaux et les muscles ténariens externes étant innervés par le médian, je vous le rappelle. Ce qui nous amène à la loge ténarienne. Cette loge ténarienne, eh bien, que contient-elle? Elle contient aussi des plans superposés. Et classiquement, on les décrit en quatre plans superposés. Le premier, c'est le court abducteur du pouce, abducteur pollicis brevis, avec la branche superficielle de l'artère radiale, dont il existe des variations anatomiques. Puis, c'est le plan de l'opposant du pouce avec le faisceau superficiel du court fléchisseur qui va s'insérer sur le sésamoïde radial externe. Puis, troisième plan, eh bien, nous avons le long fléchisseur du pouce qui passe entre les deux faisceaux du court fléchisseur et le fléchisseur profond, le faisceau profond plutôt du court fléchisseur, celui qui est théoriquement innervé par le nerf ulnaire. Enfin, nous avons le quatrième et dernier plan qui est l'adducteur du pouce avec l'artère radiale qui, je vous le rappelle, s'anastomose avec la branche profonde de l'artère ulnaire pour constituer l'arcade palmaire profonde. Eh bien, il ne reste plus qu'à voir la loge hypoténarienne de l'autre côté de la main. Cette loge hypoténarienne, eh bien, elle contient les muscles hypoténariens, donc le muscle palmaire cutané ou plutôt le muscle court palmaire ou palmaris brevis, puis les trois autres muscles du pouce, c'est-à-dire du cinquième doigt, c'est-à-dire l'opposant, le court fléchisseur et l'adducteur, équivalent des muscles interosseux. Le court fléchisseur ménage dans le plancher du canal de Guyon une boutonnière dans laquelle s'engage la branche profonde de l'artère ulnaire et la branche profonde du nerf ulnaire. Voici une représentation schématique de cette loge de Guyon et du plancher sous le court fléchisseur, sous la boutonnière du court fléchisseur de ce canal qui permet le passage de ces branches profondes de l'artère et du nerf ulnaire. Il ne reste plus qu'à parler de la face dorsale de la main. Cette face dorsale de la main, eh bien, sous la peau, il y a des veines. Et je vous rappelle que au niveau de la main, au niveau des doigts, les artères sont du côté palmaire et les veines sont du côté dorsal. Lorsqu'on fait une replantation à la main, eh bien, les artères, c'est du côté palmaire et les veines, c'est du côté dorsal qu'on les reperméabilise, qu'on les réimplante. Je n'insiste pas sur l'anatomie complexe et sur les veines intercapitulaires, etc. Avec ces veines superficielles, sous la peau, il y a le système des nerfs sensitifs. Le système du côté radial, eh bien, ce sont les branches terminales de la branche antérieure du nerf radial, sensitive. Du côté ulnaire, eh bien, ce sont les branches terminales du rameau cutané dorsal du nerf ulnaire. Tout simplement, vous avez ici une magnifique représentation graphique. Sous ces veines et nerfs superficiels, une aponévrose superficielle. Cette aponévrose superficielle recouvre quoi? Elle recouvre le système des tendons extenseurs. Ce système des tendons extenseurs, il provient du ligament rétinaculaire dorsal du carpe. Ce ligament rétinaculaire dorsal, vous vous souvenez qu'il contient 6 passages, 6 coulisses. La première, numérotée dans cet ordre, la première est destinée au long abducteur court extenseur, la seconde au long et court extenseur radio du carpe, la troisième au tendon du long extenseur du pouce qui croise obliquement les extenseurs radiaux du carpe. La quatrième est destinée à l'extenseur commun des doigts, extenseur digitorum communis. La cinquième destinée à l'extenseur propre du cinquième doigt. La sixième enfin destinée à l'extenseur ulnaire du carpe. Les tendons extenseurs, vous vous souvenez qu'ils sont reliés par des joncturas, que la jonctura du cinquième, eh bien, c'est le tendon extenseur commun du cinquième doigt. Que dire encore? C'est à peu près tout ce que je peux vous rappeler. Vous notez sur ce schéma qu'il y a aussi des gaines synoviales qui entourent ces tendons, faute de quoi ils ne pourraient pas bien coulisser sous le système rétinaculaire. Sous les tendons se trouve une aponévrose profonde.
Et sous cette aponévrose profonde, eh bien, se trouve le système des arcades artérielles, vasculaires, dorsales, sur lesquelles je ne reviens pas. Et nous avons terminé la révision topographique de l'anatomie de la main. Voici, vous avez sous les yeux les références des très beaux livres d'anatomie dont j'ai scanné les dessins. Et je vous remercie pour votre attention.